Au moment où je touche le fond, quand je regarde la patate, tout de suite, je repère une saumonée qui est camouflée entre les coraux. Mais c'est pas elle qui m'intéresse. Parce qu'avant de plonger, j'ai repéré un mécois. À partir de là, je me cale au fond et je commence à faire mon agachon. Je lève le sable pour essayer de les attirer et je me fais le plus petit possible. Mais le mécois est pas convaincu, il tarde à venir. Donc je continue à me plaquer au fond et à lever du sable. J'ai aussi le choix avec les becs de canne, mais pour moi ça vaut pas le coup. C'est soit le mécois, soit la saumonée. Donc je décide de prolonger mon agachon. Je le vois revenir, puis se braquer, puis repartir. Donc au bout d'un moment, j'ai plus d'apnée et je commence à me dire bon bah ce sera la saumonée. Donc je me retourne, je la cherche et du coin de l'œil, je l'aperçois entre deux coraux. À partir de là, j'arme, je prends la tête et je tire. Elle est bien piquée, la flèche a tout traversé. Malheureusement, ça a un petit peu abîmé les filets, mais c'est pas grave. J'ai fait une petite salade tahitienne avec et c'était délicieux.